President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court resumes its hearing. Reprise des débats. Once again, the floor is given to the co-prosecutors to continue putting questions to the witness. You may proceed. Pouvoir continuer d'interroger ce témoin. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre les questions, Monsieur le témoin, là où mon collègue s'était arrêté tout à l'heure. Peut-être quelques questions de suivi d'abord. Monsieur le témoin, vous avez dit être arrivé en février 1978 sur le site de construction ou d'excavation des canaux reliés au barrage du 1er janvier. Pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous avez travaillé sur place et est-ce que vous avez travaillé de manière ininterrompue? I worked on the canal until it was closed down. Jusqu'à ce que celui-ci soit fermé. Et combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens ce canal a pu être terminé? How quickly was the canal actually terminated before the arrival of the Vietnamese? President, Mr. Witness, please observe the microphone. Le président, témoin, veuillez observer l'allumage du micro. Witness. Le témoin. It concluded in August 2008, C'était says the witness. Terminé en août 2008, le témoin. J'ai entendu 2008, mais j'ai compris que ça devait être 1978. Est-ce que c'est bien cela, août 1978? Is that correct? I worked in 1978, and the project was closed down in August of the same year, that is 1978. Très bien. Parmi le groupe de 500 personnes que vous deviez diriger, 500 jeunes hommes, est-ce qu'il y avait des gens qui appartenaient au peuple nouveau? Were there also new people? The workers were mixed, they were both old people and new people. Aussi bien le peuple de base que les peuples nouveaux. Est-ce qu'il y avait également des gens qui étaient des Cham? Cham people there? Yes, they were Cham people. Oui. Il y avait des Cham également. Lorsque vous dirigez ces 500 personnes, et vous avez dit que c'était forcé, vous avez dit tout à l'heure que vous receviez des ordres ou des instructions de la part de vos supérieurs. Est-ce que vous deviez organiser vous-même des réunions pour transmettre les instructions que vous aviez reçues de l'échelon supérieur? Yes. Oui. When I arrived at the work site, I conducted meetings to relay the instructions to the small unit chiefs. Pour relayer les instructions aux chefs des petites unités. Est-ce que les 500 personnes dont vous avez parlé constituaient l'ensemble des hommes de la commune de Baleng qui travaillaient sur ce site de construction des canaux?
digging the canals. The 500 workers were from different villages within Balang commune. De villages différents de la commune de Balang. Bien, à propos des réunions, est-ce que coming vous deviez également meetings, participer vous-même à des réunions de critique ou d'autocritique, ou bien deviez-vous présider ce type de réunion pour votre groupe? Chair meetings of this kind in your group? I did not chair the criticism meetings with all members in the unit. I usually have meetings for the unit chiefs under my subordination. Je tenais des réunions pour les chefs d'unité qui étaient sous mes ordres. Est-ce que les travailleurs eux-mêmes avaient ce type de réunion avec leur propre chef d'unité? Et si c'était le cas, à quel moment de la journée cela devait-il se tenir? And if they did, what time in the day did they take place? Meetings were held at night, that is, after le soir, the dinner time. Après le dîner. Vous avez parlé tout à l'heure de réunions auxquelles vous avez assisté. Earlier, you talked Est-ce que le chef de commune attended, ou le chef de district did vous a expliqué, ou vous ont expliqué, pourquoi il était nécessaire pour le régime de construire le barrage du 1er janvier et les canaux qui le reliaient? And the canals connected to it. The policy of the Khmer Rouge regime to build dams and to dig that canal in order to get access to water to irrigate the rice field and to obtain the 3 yields of rice per year. Et réaliser les 3 tonnes de riz par hectare. Est-ce que lors de réunions, vous a dit à quoi le riz supplémentaire qui aurait pu être récolté à la suite de la construction de ce barrage était destiné? Est-ce qu'on vous a dit que du riz serait exporté? Were you told that the rice was going to be exported? I was not sure about that. I did not know where the rice was taken through. That is, after the harvest, trucks came to transport those rice away. Que des camions embarquent le riz pour le transporter ailleurs. Et ces camions, vous les avez-vous vus partir en quelle direction? Est-ce que did you see the trucks ils déchargeaient toute la production au sein de chaque commune, ou bien était-il destiné à prendre une autre direction? Did they unload their rice in different communes, or was it elsewhere they were going? President Witness, please hold on, and Councilor Boucher, you have the floor. Maître Guisset, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, à nouveau, j'interviens, comme souvent avec Monsieur le Co-procureur, pour lui demander de laisser ses questions ouvertes et de ne pas faire des choix multiples de réponse dans sa question. Les deux dernières phrases étaient superfétatoires. Je ne vais pas répondre, Monsieur le Président, puisqu'on est pressé par le temps. Simplement, savez-vous où les récoltes étaient emmenées à partir des champs qui étaient cultivés dans votre commune ou dans votre district? After leaving your commune or your district. I was not sure where the harvest was taken through. Je ne savais pas où on allait they emmener said that ces Encore required Il to nous take encore the harvest away and to emmener les récoltes in order to help
given to the military. Pour le donner à l'armée. Merci. Durant votre travail sur place, c'est-à-dire si j'ai bien compté à peu près 6 ou 7 mois, est-ce qu'il y a des autorités de la zone ou des autorités du régime venant de Phnom Penh ou encore des étrangers qui sont venus visiter le site de construction du canal sur lequel vous travaillez? Of the canal ever appear? No, there were no foreigners. However, there were a sector committee and district committee who came to the website. Des secteurs et des comités de district qui sont venus. Bien, nous allons revenir sur leur nom un peu plus tard. Well, we'll look at their actual names at a later stage. Lors des réunions à la commune, au district ou au secteur, vous pourrez peut-être nous préciser quel type de réunion vous avez, à quel type de réunion vous avez assisté. Est-ce que vous avez entendu les échelons supérieurs vous parler du concept des ennemis? Yes, I did. I heard them talking about the enemy. Anyone who violated the regulations would be considered enemy. Les règles seraient considérées comme ennemis. Est-ce que vous pourriez préciser quelles étaient les différentes personnes qui vous ont parlé de ces concepts de ennemis? Which different people talked to you about this notion of enemies? It was the sector committee and the district committee who spoke about the notion of enemy during meetings. Du concept d'ennemi lors de réunions. Et que vous disait-il sur le sort qu'on réservait aux ennemis sous ce régime du Cambodge démocratique? What did they tell you? Qu'en faisait-on des ennemis? The fate that was awaiting such enemies in the democratic Cambodge regime. We joke with. Regarding the fate of those people, concernant le sort what I heard was that they would be smashed as they were interfering with their écrasés, movement of construction. Ils empêchaient la construction d'avancer. Donc lorsque c'est chef de secteur ou chef de district parlait des ennemis, est-ce qu'ils se référaient en particulier aux ennemis qui pouvaient saboter la construction du barrage le 1er janvier ou des canaux environnants? They did not specify that any enemy who may sabotage any specific location, but they refer to enemy who may sabotage the movement. Mais ils parlaient d'ennemis qui sabotaient le mouvement. D'accord. Sur le site de construction, very well. On the construction du canal relié au barrage du 1er janvier, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux une ou plusieurs personnes être arrêtées? Witness one person or several being arrested? Yes, I did. Because while we were working there, there were security alors que forces from the district who were overseeing us. However, the worker who was arrested was not from my commune. It was from Khao Trum, a commune who was working nearby. Khao Trum, et il travaillait à côté. Et quel âge avait cette personne, how old was that ce travailleur, person, that worker? Comme con tam ka pan smart
estimate that the worker was about 18 or 19 years old. Est-ce que vous avez appris pourquoi le travailleur avait été arrêté par les forces de sécurité? The arrest was made in order to deter other workers to continue working harder. Je voudrais juste citer un instant ce que vous avez dit, qui était légèrement plus précis. Dans votre procès-verbal d'audition E3-5265, alors en Khmer, c'est 00-27-13-97-98. En français, 00-48-29-24. Et en anglais, 00-28-23-4-6. Vous avez dit ceci. Un jour, j'ai vu de mes propres yeux l'arrestation d'un enfant de l'unité itinérante. Il avait juste bavardé. Et il a été arrêté par les agents de sécurité interne du lieu du travail. Il a été appelé de son poste de travail pour aller jusqu'au sommet du barrage où il a été publiquement arrêté. Fin de citation. Est-ce qu'il était donc interdit de bavarder ou de s'arrêter de travailler sans autorisation sur le site de construction sous peine de sanction des forces de sécurité? And did he run the risk of sanctions from the security forces if he did so? During the regime, we were prohibited from talking to one another on anything that was not compliant with the principle of the party of the regime. Correspondait pas au principe du parti et du régime. D'accord, vous nous avez dit que ces agents de sécurité venaient du district. Est-ce que vous avez pu apprendre de quelle zone du pays ils étaient originaires? Were you able to find out which zone of the country they originally came from? At a later stage, the security forces and the cadres at the communal, the district levels came from the southwest zone. Venaient du sud-ouest. Est-ce que vous avez jamais revu cette personne qui a été arrêtée, ou est-ce que vous avez appris ce qui lui est arrivé? The person who was arrested again, or did you ever learn what happened to that person? For anyone who was who had been arrested, never appear again. Ceux qui étaient arrêtés, on ne les voyait plus jamais. Vous venez de dire ceux qui étaient arrêtés. Vous avez mentionné l'arrestation d'une personne que vous aviez vue. Well, you said anyone who was arrested, and at the same time you seem to be talking about one single person who was arrested. Vous avez vu ou entendu que d'autres personnes étaient arrêtées sur le site de construction? Peut-être pas dans votre unité, mais peut-être dans d'autres unités. I did not witness any other arrests as I only focused and mainly stayed at the location where I was assigned to work. Surtout, je suis resté surtout là où on m'a affecté au travail. Pour autant, est-ce que vous avez entendu que d'autres personnes ont été arrêtées? Did you hear of other people being arrested? Mien
Yes, especially it oui. Happened in my village. Surtout dans ma, the, mon village. Plantation, and when I returned je home, travaillais dans une plantation et lorsque je suis rentré chez moi, les voisins around, avaient disparu et en posant arrested. Des questions, on m'a dit qu'ils avaient été arrêtés. Event, j'ai appris ces événements, mais je n'ai pas été témoin direct de cela. D'accord. J'en reste okay. Plus ou moins au site de travail du well, staying construction for the moment des canaux et du barrage. Mais tout à l'heure, je vais revenir à ce qui a pu se passer dans votre village. Et une précision maintenant, est-ce que le village de Tra, ou Tro, dans la commune de Baleng, disposait-il d'un centre de sécurité? Et si oui, comment s'appelait-il? What was its name? In Trop village, there was a security center. Trop, it was located at the Barai Yonbai Pagoda. Se trouvait près de la pagode. Est-ce que c'était près de la pagode ou bien c'était à l'intérieur de la pagode? Do you mean Barai Chondek? Near the Barai Chondek Pagoda or actually inside it? The security center le centre de sécurité within the compound se trouvait à l'intérieur de l'enceinte de la pagode. Est-ce que vous avez appris lors de réunions ou bien lors de discussions and at meetings or in ce qu'on faisait avec les gens qui étaient détenus à Wat Barai Chondek? Le président veut attendre. Maître Copé, allez-y. There is no connection between Maître Copé, il n'y a pas Barai, de lien entre Chondek, le centre de sécurité, la pagode de Barai Chondek et le site de travail. Ceci est par ailleurs en dehors de la portée so, de ce segment. Time, et étant donné les contraintes de temps, je pense que l'accusation devrait passer à autre chose. Monsieur le Président, si je peux répondre, on a déjà eu ce débat devant cette Chambre, il a déjà été établi. On pouvait poser des questions en relation avec Wat Barai Chondek et je le ferai à double titre. D'une part, parce que d'autres témoins ont établi un lien avec le site de construction et d'autre part, parce qu'il y a, et nous allons y revenir tout à l'heure, eu des purges dans la commune de Baleng également. President, the objection raised by the Defense Counsel for Nguyen Chia is overruled, and the reason given by the co-prosecutor is rightly so, and the Chamberry determines the connection between the Barai Chondek Pagoda through the first January Dam work site. And Mr. Witness, you are now instructed to respond to the last question put to you by the co-prosecutor. If you can recall it, if not, the prosecutor may repeat the question. Peut le répéter. Ma question, monsieur le témoin, était de savoir si vous aviez appris ce qu'on faisait aux gens qui étaient enfermés à Wat Barai Chondek. Who were detained inside Barai Chondek. I did not witness the event. I only je n'étais heard pas témoin that, des événements. The place was j'ai used entendu as a security center, que cet endroit servait de centre de sécurité to go et moi-même, j'avais peur de m'y approcher. Bien, est-ce que vous avez jamais participé à une did réunion qui s'était tenue vers la fin du régime à la pagode de Wat Barai Chondek? Held towards the end of the regime in the pagoda of Barai Chondek? Yes, I attended oui. the meetings there. J'y ai assisté à des however, réunions. At that time,
There was a directive from Office 870 that the Security Center was relocated from that pagoda and it was no longer operational. Avait été déménagé et n'était plus en fonction. D'accord. Lors de cette réunion, est-ce que vous avez pu observer meeting, des traces indiquant que ce centre avait servi de centre d'exécution? Or traces of the fact that this place had been used as an execution site. When I attended a meeting inside the dining lorsque hall, j'ai participé à une réunion dans le réfectoire, j'ai vu wall, des taches de sang qui restaient sur les murs the temple and in the à l'intérieur hall. De la pagode and et I also au réfectoire. Saw a j'ai également of torn of vu des scattered restes de vêtements déchirés repartis au sol. Est-ce qu'à l'époque il y avait une odeur de charogne qui régnait encore sur place? Were there still odors of corpses at that time when you were there? Mien khlan chas oi nou mon ton os khlan ne. Yes, the but odor was still lingering in the air when I was there. Il y avait une mauvaise odeur qui persistait encore lorsque j'y étais. Pour en revenir au canal lui-même, est-ce qu'il y a coming eu, back to the canal. À l'époque, je sais que le canal n'était peut-être pas si haut, mais est-ce qu'il y a eu des accidents so deep, qui se sont canal, produits, par exemple des éboulements de terre qui auraient pu ensevelir ou blesser des travailleurs sur place which, buried or injured the workers who were there? Throughout the canal work site. Yes, there sur were work-related injuries, canal, for instance, rock fragments exemple, fell onto workers, and as a result, they were injured. Des travailleurs qui étaient blessés par la suite. Est-ce que ces travailleurs étaient emmenés à l'hôpital et est-ce qu'ils revenaient toujours reprendre leur place au sein des unités de travail? To resume their place in the teams. After the injury, the responsible chief lorsque would have them taken for treatment at the hospital, but I did not know what happened next. Pour se faire soigner, mais j'ignore ce qui se passait par la suite. Bien, tout à l'heure, vous avez dit que des abris avaient été construits tout près du canal pour abriter, pour permettre de loger just now you said les travailleurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots ces abris? Can you describe these huts et en quoi étaient-ils construits? Est-ce que c'était solide? Were they strongly built? The sleeping shelter built for the mobile les unit workers were made from young wood and they used hay to build a roof. They built a floor for workers to sleep on. Some workers had their own mat and they could use it. And some other workers would have their sacked to be used as pillows. Other workers had their own hammock, so they did not have to sleep on the floor. Des hamacs et donc ne dormaient pas à même le sol. Vous avez travaillé sur place en pleine saison des pluies. Est-ce que les toits étaient-ils étanches? During the rainy season, were the roofs of these huts waterproof or not? Of course, it was kind of waterproof for small and light rain, but it could not sustain the heavy downpour. Légère, mais pas en cas de pluie torrentielle. Pourriez-vous également décrire les vêtements des travailleurs? Could you describe the clothing of the workers? What
state were their clothing? During the regime, there was severe shortage of Pendant clothing. Le régime, il y avait we pénurie all de vêtements. Had a, only a pair Chacun of clothes. N'avait qu'un jeu and de vêtements. Parts of the clothes were torn. Ils étaient and en the clothing déchirés. That they had only existed in two colors, que nous gray n'existait qu'en and gris black. Et en noir. Et quant à la nourriture, what about the food? Comment était la nourriture en quantité, mais aussi en termes de qualité? Est-ce que la nourriture qui était fournie était de nature à permettre aux travailleurs d'effectuer leur travail? The food sufficient to allow the workers to complete their task? On the matter of food, we were given rice for a meal, as a meal, and for the dinner, un repas, et we were given pour le dîner, gruel, on and avait de la the bouillie, soup was a kind of sour soup with morning glory or with a small fish, and of course it was not sufficient. Poissons, once in the blue moon, we were given pork to eat. De temps en temps, très rarement, on avait du porc. Est-ce que les chams des différentes unités qui travaillaient sur le site, quand il y avait du porc, même si c'était rarement, devaient en manger? Did the cham who were part of the units at the time have to eat the pork whenever there was any? The cham people who strictly adhered to their religious practice would restrain themselves from eating pork, and they would resort to eating salt instead, while others could not stand it but ate pork. D'autres détestaient cela, mais mangeaient quand même du porc. Quelle était l'eau que buvaient les travailleurs? Est-ce que c'était de l'eau propre à la consommation, potable ou non? Answer, no water for workers were unsanitary. Water source l'eau n'était pas was from the stream or river, salubre. And that water was used to clean ourselves and also to drink. Pour se laver et également pour boire. Est-ce que vous pourriez nous dire si le personnel soignant qui était peut-être sur place était qualifié et disposait des médicaments nécessaires in sufficient quantities? During the time, medics or medical staff were not qualified. They were young people. Their age ranged from 14 to 18 years old. After they got a short training, they would be dispatched to treat people. And as for medicines, usually they used the traditional medicine, and it was known as the rabbit dropping pellets. And there were also beyond or bees felt for treatment. Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient trop malades et qu'on a dû transférer à l'hôpital? Et dans ce cas, est-ce qu'ils sont chaque fois revenus ou bien vous les avez plus revus, pardon? Answer. The serious sick people would be referred to hospital at the district level. Some people got recovered and some did not and died at that hospital. Bien, je vais maintenant passer à un autre sujet qui est celui de
de ce qui est arrivé au peuple nouveau dans le village de Tchemankul, d'où vous êtes originaire. Est-ce que vous avez bien travaillé à ce village de Tchemankul, dans la commune de Baleng, entre 1975 et 1979, à un moment donné? President, please observe microphone, Mr. Om Chy. Monsieur Om Chy, attendez que le microphone soit allumé. Witness, I was just a youth at that time, I was there building the embankment. Et j'étais là-bas pour la construction des berges. Lorsque vous travaillez au village de Tchemankul, est-ce que vous avez vu des gens du peuple nouveau qui avaient été évacués et qui sont venus s'installer dans ce village? Et si oui, combien à peu près? Fell of the regime in after the régime, fell of Phnom Penh in 1975, people were evacuated from Phnom Penh, and these people were Cham or perhaps a Chinese ethnic. Des personnes Cham ou peut-être d'ethnie chinoise. Et combien de familles sont arrivées dans votre village? And how many families came to du peuple nouveau? New people. I could not recall everything because I was not in charge of the statistics. I was there in the youth unit of working. Moi, je faisais partie de l'unité des jeunes et j'y travaillais. D'accord, devant les juges d'instruction, c'est le procès verbal E3/5265. Before à la page en Khmer 0027. 1, 3, 9, 6, en français 0, 0, 4, 8, 2, 9, 2, 3, et en anglais 0, 0, 2, 8, 2, 3, 4, 5. Vous avez dit que il y avait des déportations de gens dans votre village, à peu près 20 familles. Tous ces gens, le 17 avril, venaient de Phnom Penh. Est-ce que ce chiffre de 20 familles vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que c'est à peu près ça? As I stated, I was not in charge of the statistics. From my estimate, perhaps there were 20 families, namely Cham or Khmer, evacuated from the city of Phnom Penh. Pouvez-vous nous dire brièvement comment ils ont été logés une fois qu'ils sont arrivés sur place? Where they were living, how were they housed when they came to the village? First, they were allowed to live in houses of the base people, and they could go and live in those houses, no matter how big those houses were. D'accord. Est-ce qu'on a construit des cabanes pour les loger par la suite? Were any huts built for them to live in? Answer. Later on, huts were built for them in villages. And these people were dispersed everywhere in the villages. Est-ce qu'à un moment donné, entre 1975 et 1979, début 1979, des familles du 17 avril ont fait l'objet d'arrestations et d'exécutions?
new people ever subjected to arrest. Famille, parmi ces 20 familles dont vous nous avez parlé. Speaking here of any families within the 20 that you've just described. It was in 1970. There was a plan to purge people. However, I was not in the village at that time. I was relocated to work in another farm or plantation, and I did not know who was purged. Est-ce que vous pourriez préciser à nouveau la date? J'ai entendu 1970 et je ne crois pas que ce soit correct. Est-ce que vous pourriez repréciser l'année durant laquelle cela s'est produit? Attendez que le micro soit allumé. The plan was issued in 1977. Exactly, it was in 1977. Vous étiez par la suite un chef de 500 personnes. Est-ce qu'avant cela, en 77, vous aviez assisté également à des réunions à la commune ou au district où on a parlé de ce plan de purge? I was reassigned to work in another farm or plantation away from the village. I was relocated to work in Gogi Tom commune. It was 20 kilometers away from my previous village. And it was away, that is why I did not attend the meeting or meetings. D'accord. Je ne pense pas que vous aviez dit combien de familles avaient été affectées par les exécutions. Est-ce que vous vous en souvenez? How many families were affected by executions? Could you tell us how many? When I came to visit my previous village, my neighbor disappeared when I asked where they were going, and I was told that some of them had been purged. Five families, I believe. Cinq familles, je crois. Et qui a procédé à l'arrestation de ces cinq familles, d'après ce que vous avez entendu? Arrested these five families, according to what you heard. Et qu'est-il arrivé aux personnes qui les ont arrêtés? And what happened to those who arrested them? Back then, the information I got from the villagers when I visited villages, these people were called to leave and join the meeting in the new village of Om Chy, and the truck or vehicles came in to track them away. Je me permets à ce stade de citer ce que vous aviez dit devant les enquêteurs des juges d'instruction, E3-5265. En Khmer, c'est à la page 002713-96-97. En français, 0048-2923. Et en anglais, 002823-45. La question qu'on vous a posée est la suivante. Qui était le chef de la coopérative et qui a emmené ces cinq familles pour les exécuter? Vous avez répondu. À cette époque, le chef de la petite coopérative était le nommé Heng, et le nommé Lik était le chef de la grande coopérative. Ces deux personnes ont emmené ces cinq familles pour les exécuter. Par la suite, ces deux mêmes ont été arrêtés et exécutés à leur tour
dans la même année 1977. Were arrested and killed. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez in, cela? The same year, 1977. Do you confirm? Answer, I stand by my réponse. Statement. Je confirme ce que j'ai dit. It is correct. C'est exact. I recall it as you have just read. It je happened a long time ago. Chief Heng was the chief of the small cooperative, and Liat was also the chief of the cooperative. These two guys had been arrested during the purge. Est-ce que vous savez si ces deux personnes, ou d'autres également, ont été remplacées par des gens qui venaient d'autres zones? Answer. Following their arrest. Réponse. Catrays from the southwest zone. Suite à l'arrestation des quatre de la zone control, sud-ouest sont venus prendre le contrôle Balang, commune, de la Barai commune district. De Balang, district de Barai. Justement, à propos de l'autorité administrative de votre secteur, on va venir aussi au district, à la commune, qui, à votre connaissance, était le chef du secteur 42 en 1977 et 1978? In 1977 and 1978, Uen was the chief of the sector. Uen qui était le chef du secteur. Est-ce qu'il était membre de la famille de K-Pok? Was he part of K-Pok's plutôt, je vais reformuler. Est-ce que vous connaissiez K-Pok d'abord? Do you know who K-Pok is? Did you know him? I have heard of the name. Réponse. I was not working close to the place where he was working or staying. I heard that K-Pok was chief of a sector. J'ai entendu dire que K-Pok as I stated, était chef d'un secteur, comme je l'ai dit. I never worked at a place close je to his travaillé à office. Proximité de son bureau. Bien, avant Eun en 77-78, est-ce que vous avez connu un secrétaire du secteur qui était appelé Chan Mon alias Tol. Chan Mon alias, or aka Tol, who would have been a sector secretary. I do not know this person. I have heard of the name Tol, but I never saw this individual. Mais je n'ai jamais vu cet individu. Et savez-vous ce qui est arrivé à ce dénommé Tol? And do you know what happened to this Tol? I have no idea. Réponse, je n'en ai pas la His name disappeared. Son nom a I did not know what happened within the rank of the party. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans les rangs du parti. Bien, peut-être plus proche de vous, au niveau du district de Barai. Est-ce que vous vous souvenez des noms des secrétaires de district successifs, donc ceux qui se sont succédés entre 75 et 79. Who followed one another between 77 and 79. Réponse. I only recall Moul when I was working at the work site. He was the one je who Moul chaired the meeting. Sur le site du chantier. C'était lui. Three or four months later, Moul was moved to work in another place, and Pouch came Moul to replace est allé travailler ailleurs, et Pouch est venu Moul le remplacer. Position. Et ce Pouch venait-il lui-même de la zone Pouch. Sud-ouest? Did he come from the southwest? Answer.
heard that he was réponse. Also from Southwest Zone. J'ai entendu During qu'il that time, de la I zone did not dare to ask where Southwest Zone was. Et demander où se trouvait la zone sud-ouest. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du quotidien des habitants de la région une fois que les cadres du sud-ouest sont venus et, pour certains, ont remplacé les anciens cadres? Est-ce que vous avez noté des changements d'instructions, d'ordre ou de conditions de vie? The reshuffle of the cadres. Après le remaniement des cadres, there was a circular or instruction by the party. I did not know where the circular or instruction came from. Je ne sais pas d'où venait exactement cette circulaire ou cette instruction. Office, the instruction from office 807T. L'instruction du bureau 870. Gave the pardon to those who were allegedly accused of being linked to enemy, and they were allowed to come back and work. Compromis et lié à l'ennemi, on leur a permis de retourner au travail. Est-ce que cette instruction ou cette circulaire du parti avait une forme écrite? Est-ce que vous avez pu la lire vous-même? Were you able to read it yourself? I never read that circular during the break that we were allowed to have once in every 10 days. I was in the meeting and there was someone reading the content of the circular, but I myself did not read the circular. Je n'en ai pas pris connaissance, je ne l'ai pas lu. Et c'était une réunion à quel niveau? Est-ce que c'était à la commune, au district ou au secteur? Where was the, at which level was the meeting? District, commune, sector level? The meeting was held at the commune level. La réunion s'est tenue and au niveau de la after commune. Every 10 days, there was a wrap-up meeting, and workers were invited to join that meeting, and we were given such circular. Et c'est alors que l'on nous donnait ces circulaires, que l'on nous expliquait ces circulaires. D'accord. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps avant la fin des travaux sur le canal, vous avez eu communication de cette circulaire? Did you receive notice of this circular? The canal had not yet been built at that time. I canal received notice during the meetings every 10 days. Je recevais les notifications pendant I les réunions tous les 10 jours. The month. Je ne me souviens pas du mois. Bien, je vais essayer d'identifier ce document avec vous. Et je voudrais maintenant, avec l'autorisation de la Chambre, remettre au témoin le document E3-763. Et le faire with your afficher leave, à l'écran, President, en tout cas, I would like to show document E3/763. Les pages que je mentionnerai. Il s'agit donc d'un document daté du 20 juin 1978, émanant du comité central du Parti communiste du Kampuchea. The Central Committee of the Communist Party of Kampuchea. President, you can do so. Président, allez-y. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord afficher la première page où il y a le titre du document. Et je vais vous lire le titre, monsieur, vous l'avez sous les yeux. Il est le suivant. Les directives du comité central du Parti communiste du Kampuchea au sujet de la politique du parti
par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des agents des Vietnamiens ou ceux qui ont rejoint le KGB pour s'opposer au parti, à la révolution, à la population et au Kampuchea démocratique. Alors, monsieur le témoin, si vous regardez ce qui figure, ce qui est souligné dans ce document, il y a différentes catégories qui ont été distinguées. La première catégorie concerne les personnes qui sont entrées dans la CIA, qui se sont ralliés aux Vietnamiens ou qui ont rejoint le KGB entre 1946 et 1967. La deuxième concerne les personnes qui s'y sont ralliés entre 1968 et 1970, et la troisième entre 1970 et 1975. Alors le document, pour ce qui concerne ces trois catégories de personnes, eh bien le parti dit qu'il ne les condamne pas, mais uniquement si par la suite ils n'ont pas commis d'actes de trahison. Est-ce que vous vous souvenez de ces points-là concernant les personnes qui s'étaient ralliées aux ennemis avant avril 1975? Est-ce qu'on vous en a parlé dans ces termes-là lors de la réunion? Answer. I have no idea. I myself did not know what a CIA or KGB was, but I heard that they were pardoned. Et juste une autre citation, une citation que je voudrais faire à propos de la quatrième catégorie qui a été établie dans cette circulaire. Il s'agit de ceux qui sont entrés dans la CIA, qui se sont ralliés aux Vietnamiens ou qui ont rejoint le KGB entre 1975 et 1978. Et on trouve cette catégorie à la page 2, je crois, dans chacune des langues. Et je vais citer la première catégorie parmi cette quatrième, parmi ce quatrième groupe. La première catégorie, on dit ceci à leur propos. Il s'agit de ceux qui ont continué à s'opposer au Parti communiste du Kampuchea, à combattre le pouvoir révolutionnaire des ouvriers et des agriculteurs, à combattre le régime collectiviste et socialiste, à combattre le peuple du Kampuchea, et enfin, à combattre le Kampuchea démocratique lui-même. Ceux-là sont coupables. En effet, ils ont commis des actes de trahison avec intention, avec une position d'opposition absolue, avec une position de dévouement de tout cœur et de toute âme aux ennemis, qui étaient la CIA ou les Vietnamiens ou le KGB. Ces gens en question ont délimité très précisément leurs frontières. De ce fait, le Parti communiste du Kampuchea doit les anéantir. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cette catégorie particulière de gens? President, Mr. Cooper, you may have the floor now. Thank you, Mr. President. It would be very helpful if the next paragraph would be read as well, because it says that I will do it for the prosecution, for any individual who stops to carry out the traitorous activity from this July 78 onwards and who tries to re-educate himself or herself, who makes his or her efforts in fulfilling the revolutionary duty, such individuals shall not be punished. Alors cette personne ne sera pas punie. Mr. President, I would like to pose an objection to the last question put by the Deputy Co-Prosecutor. Mr. Witness said already that he was not aware of the content
in the circular or directive. He did not know about the KGB or CIA either. So this question was meant to answer speculation from witness. Monsieur le Président, si je peux d'abord répondre. Tout d'abord, il a bien dit que la directive lui avait été lue. C'est la première chose. Deuxièmement, je comptais effectivement venir à ce paragraphe suivant, mais je voulais d'abord poser une question sur le premier paragraphe. Je n'ai pas eu le temps de poser ma question, ce qui fait que je ne vois pas pourquoi il y aurait déjà une objection alors que je n'ai pas encore posé de question sur le paragraphe que je viens de lire. Donc je demande la possibilité de poser maintenant ma question. President, yes, you can now put your question first. Posez votre question. Voilà, donc pour résumer, dans cette quatrième catégorie de personnes, il y a une distinction qui est faite entre la première catégorie dont j'ai lu l'extrait des gens qui continuent à trahir et une deuxième catégorie, c'est ceux qui renoncent à la trahison à partir de juillet 1978. Est-ce que, à l'époque, vous vous souvenez d'une catégorie de gens qui, selon le parti, devaient être écrasés ou anéantis, même après l'envoi de cette directive, parce qu'ils continuaient à s'opposer au parti? After the issuance of that circular, réponse, après l'émission de cette circulaire, anyone who committed a wrong in contradictory to the guidelines, they would be arrested. As I said, after the circular was issued, these people were pardoned. Les personnes ont fait l'objet d'un pardon. Et pour en terminer, je n'aurai pas le temps de couvrir d'autres sujets. Donc, est-ce que après l'émission de ce circulaire, vous avez vous-même constaté qu'un ou plusieurs cadres de votre commune ou du district ont été arrêtés, effectivement? Made in my village after the circular was issued. L'envoi de cette circulaire. I heard people say that there were arrests, but I myself did not witness the actual arrests. Je n'en ai pas vu moi-même. D'accord, mais pouvez-vous nous dire de quoi avez-vous entendu parler exactement? But can you tell us exactly what you did hear about? Concernant ces arrestations qui ont eu lieu après l'envoi et la communication de cette circulaire. Answer. I heard they said that people were misled in their working manners, and these people were accused of being enemies. Des gens s'étaient mal comportés et qu'on les accusait d'être des ennemis. Merci, Monsieur le Président. Étant donné les contraintes de temps, je m'arrête là. Mr. President, time is too short to go on. I shall therefore stop there, and I thank you, sir. President, thank you. Le président, the floor merci. Is now given to the lead co-lawyers for civil parties. But, des parties civiles. Good afternoon, Mr. President. I'd like to get your permission for my avec lawyer for civil parties, Lajanti, to ask questions on my behalf. President, yes, Mr. Lajanti, you may proceed. Allez-y, maître. Lajanti, thank you, Mr. President.
L'avocat, merci, and Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour à and tous. Good afternoon, Mr. Witness. Bonjour, my name Monsieur is le témoin. Je m'appelle Lao Chen. I'm a lawyer representing je suis avocat civil parties représentant les in this case, and I'd like to put some additional questions et to j'ai you. Quelques questions supplémentaires à vous poser. And to get your response concerning certain events that took place between 1975 and 1979. S'est-on produit entre 1975 et 79? My first question is the following. Voici nearby ma première the question. Area that you worked in, près de la zone was où there travaillez? A security center known as Sari Kakao? Y avait-il un centre de sécurité appelé Sari Kakao? Answer, no, I réponse, don't. Non, there ne might sais be pas. A security center at another commune, Jingdao. Y avait peut-être un centre de sécurité dans la commune de Jingdao? Question. And when question. You went to build the canal, et lorsque you were asked vous allez whether construire there le was canal, any foreign delegation who came to inspect the work site, and you said there was none. However, there were sector committee and district committee who actually went to the work site. Comité de secteur et le comité de district qui venaient visiter le site de travail. So, can you tell the court if you know the names of those sector committee or district committee? Est-ce que vous connaissez les noms des President membres witness, du comité de secteur ou de microphone. District? Le président, témoin, veuillez observer answer. Le micro. Réponse. The sector committee was une. Pour le comité de secteur, and c'était Moul et Moul district committee, and later on he was replaced by Poi. Il a ensuite été remplacé par Poi. Question. You said you were a unit chief at the work site. Vous avez dit que vous étiez chef d'unité. Upon the arrangement of the work distribution, au niveau de la répartition du travail, how was it organized? Was the work quota determined on a daily basis était-il for each calculé, worker? Tous les jours et pour chaque travailleur? Answer. The réponse. Work quota was set for les each shift. Quota par travailleur that is 1.5 cubic meters for the morning shift and another 1.5 cubic meters for the afternoon le shift. Matin et 1 mètre cube et demi l'après-midi. Question. Question. How was the food distributed to the workers? How many meals per day? Comment distribuait-on à manger aux travailleurs et answer. Ils recevaient combien de repas par jour? As I réponse. Stated earlier, the comme food ration was not enough. We had cooked rice for lunch and for nous dinner we had gruel. Le midi et de la bouillie le soir. Question. A while ago you spoke question. About the condition of hygiene. Vous avez mentionné site. Tout à l'heure les conditions d'hygiène sur le site. Was there a proper arrangement for workers to relieve themselves? Y avait-il des installations permettant aux travailleurs d'aller aux toilettes? Answer. Workers réponse. Had to dig a hole in the rice field in order to relieve themselves. Dans les rizières afin de se however, soulager. When time passed by, cependant, avec le temps,
they could no longer have any spare space at the fields for them to relieve themselves, so they had to go a bit further into the bushes to do so. Davantage et aller dans la brousse pour se soulager. Question. Question. Concerning sick workers, you said there were medical staff on site who only received 4 or 5 day trainings and then administered the injections. What kind of injection was given to workers who were sick? Answer. Réponse. Usually, the medicine and injection at the time was made from natural herbs, and then they would filter it into bottle for the treatment of all kinds of diseases, including fever and malaria. Pour traiter tout type de maladies, the same thing applies to pellets. They existed in brown color or red color, and they were in the form of rabbit drops, en forme as de I mentioned de lapin, a while ago. Comme j'ai mentionné tout à l'heure. Question. Based on your observation, was such a d'après ce que medicine vous avez pu observer, effective? Ces médicaments étaient-ils efficaces? Answer. On the effect réponse of the medicine, some workers recovered from their illnesses, and that applies both to injection and to the pellets. Aussi bien en so the des situation varied. Des donc la situation variait. Question. For people who were working at the dam site, what was their physical appearance? Were they healthy? Comment se présentaient-ils? Avaient-ils l'air en bonne santé? Answer. Réponse. During the regime, and as you can imagine, when the food was not sufficient, nobody looked fat. Apparently, they were emaciated. Bien nourris, ils étaient plutôt maigres. Question. You said at a certain point that you attended study sessions. What were the main topics that you studied? À des sessions d'études et quels étaient les sujets étudiés? Answer. The study sessions that I participated in, and as I said earlier, des séances d'études auxquelles the people, j'ai participé, and including myself, were asked to attend the kind of the study sessions, and that happened every 10th day. It was kind of a criticism c'était and self-criticism studies. De critique et d'autocritique. Question. Question. Were instructions set or were plans discussed and relayed to workers and to you during those sessions? Ces instructions ou plans de travail pendant ces séances? Answer. Réponse. They made general announcements that each unit chief responsible for a certain target had to make sure that the work plan determined by the party be completed on time. Et devait faire en sorte que le plan de travail soit mené à bien et dans les délais. Question. I'd like to move on to another question. Topic. Je vais passer à un autre sujet. Do
You said that there were many male and female youth workers, and in your case, you have 500 workers, and you are a supervision. Were any marriages organized at the work site? Organiser des mariages sur le site de travail. Answer, yes, there were marriages. Réponse, however, oui, the marriages ceremony, the marriage ceremonies did not occur at the work site. Mais les cérémonies usually, de they organized that ceremony général, at the commune office or at the pagoda, au or sometimes de la commune, at another center. And for each marriage ceremony, 10 to 15 couples were matched. President, se marier. Lawyer for Le civil party, président. Please try to use only 5 more minutes at a time. Civil, si vous pouvez terminer and en for cinq this minutes. Afternoon, we cannot exceed 4 o'clock session as certain interpreters have to leave the courtroom by 4. Certaines interprètes doivent lawyer for civil party, thank you, Mr. President. L'avocat des parties civiles. Merci, Monsieur le Président. My question to you is related to the arranged marriage. J'ai une question concernant les can you tell the court the men and women who were organized to get married, donc, did they consent to the marriage? Dont on a arrangé le mariage, answer, avait-il the marriage consenti à ce mariage? Was determined réponse, by the village chief. Le mariage était décidé par le chef de they village. Reviewed the biographies, and if they match one another, ils then they would organize to get married. Si for example, il y avait une ils if choisis, they belong to the same peasant class, then they will be matched. Par exemple, faisaient and likewise, de la même it applies paysanne, to other classes. On les mettait ensemble, et il en va de même pour les question. Autres classes. And what about question. The individuals who were actually the subject of the marriage? Did they consent to de ceux the qui marriage? Devaient se marier, est-ce qu'ils consentaient à ce mariage? Answer, certain couples actually consent to réponse. The marriage arrangement, while others did not. Alors que as a result, after the marriage, some of them could not stay together. Après le mariage, certains ne sont pas arrivés à rester ensemble. Question. You spoke question. About the screening of the biography. Vous avez mentionné les biographies qu'on étudiait. From the beginning, were there any evacuees coming to settle in your village? Y avait-il des évacués answer. Qu'on a envoyés dans votre village this au début? Applied across the board. Réponse. It also applies to the new evacuees. So the cela village chief would look monde, at their biography and if le chef du village they were both leur evacuees from Phnom Penh, then they si could be matched. Tous les deux évacués de Phnom Penh, alors ils pouvaient question. Se marier. What about the Cham people? Question. Et qu'en est-il des Cham? What was the arrangement for them? Qu'est-ce qu'on organisait pour the les Cham? The same principle applied. Réponse. Like le those même who were from Phnom Penh. So the Cham people would be matched Penh, with donc, the Cham people. On arrangé des couples entre Cham. Lawyer for civil party, thank you, Mr. President. I am done, and thank you, Mr. Monsieur le Witness. Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Témoin. President, it is now appropriate for a short break. We take a break nous now and resume at 2:30 to continue our proceedings. Court officer, please assist the witness during the break time at the waiting room for civil parties and witnesses. And invite him back into the courtroom at 2:30. The court is now in recess. Something like that.